Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez, sur Réenchanter le Monde, nous traitons de nombreux sujets alternatifs. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation. Je vous emmène à la rencontre d'enfants et de parents qui ont rêvé d'une école différente, une école où les enfants seraient libres d'apprendre à leur rythme et avec les méthodes qui leur conviennent. C'est une petite poignée de personnes qui a fait la différence et qui s'est lancée dans l'aventure dans les Pyrénées-Atlantiques à Aurègue il y a un an. Alors je vous emmène à Biotza, une école pas comme les autres. Bonjour Émilie. Bonjour. Donc je crois que c'est toi qui as mis en place cette belle aventure. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui est à l'origine, pourquoi tu as mis en place cette école? Bon, je suis pas toute seule. Hein. C'est une énergie collective qui a permis de faire ça. Mais l'initiative de départ, le truc, allez on y va, c'est moi et puis ma fille. Et donc voilà, en fait cette école, elle est partie de ma fille qui me dit bon maman, j'aimerais bien quand même aller à l'école, mais une école où on est libre. Bah, je lui dis, bah ouais, c'est bien une école libre, mais il n'y en a pas là autour de chez nous. Ben, on n'a qu'à la faire. Et donc elle me l'a dessinée sur un grand papier, puis on a écrit la légende. Nous voulons ouvrir, c'était au mois de janvier l'année dernière, nous voulons ouvrir une école de conscience, de bien-être, dans laquelle les enfants peuvent être libres, que ça soit une voie d'épanouissement pour tous, enfants et adultes, que ça soit des personnes de lumière et de conscience qui viennent à l'intérieur, avec une enseignante de lumière ou un enseignant de lumière. Enfin voilà, on a posé ces bases-là, et un mois et demi après, on avait le lieu, l'enseignante et 4 personnes pour démarrer. Donc c'était poum, 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 ça s'est fait. On a monté l'école en 6 mois. Ça s'est fait super rapide une fois qu'on avait mis ce point de départ sur feuille. La décision, une semaine, 15 jours, et puis j'ai foncé à la sous-préfecture pour déposer les statuts de l'association. Et après, en moins de 6 mois, on avait ouvert. En septembre, on ouvrait. On a attaqué en avril le projet. Ah ouais, super. Voilà. Donc, vous avez eu un soutien de la mairie? Collectif particulier. Le soutien de la mairie s'est porté par rapport à la location de ce lieu. Voilà, c'est vrai que une ancienne école qu'on réhabilite, c'est quand même quelque chose. Après, voilà, c'est vrai que nous, en tant que parents, on autofinance tout. Donc, c'est un budget, certain. C'est le plus petit budget de France pour ces écoles-là. C'est un fait aussi. On est à 150 euros par mois. Donc oui, je fais volontiers ce pas. Nous faisons volontiers ce pas. Cet effort, non, ce sacrifice non plus. C'est au contraire, j'investis dans l'avenir. Voilà. Et l'avenir de mes filles n'a pas de prix. Alors, comment tu t'appelles? Alaya. Et sais-tu qui a eu l'idée de monter cette école? Alors, moi. Donc cette première année qu'on a passée, c'est une première année dans le sens où on en est super fiers. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu plein de choses, mais toujours avec, on a gardé ce côté positif derrière et de savoir pourquoi on faisait ça. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qu'on propose. Si ça prend, c'est qu'il y a un besoin. Si ça prend pas, c'est qu'on va faire autre chose. C'est pas grave. Et puis ça a pris. Ça a pris, ça germe, ça grandit. On ouvre la maternelle maintenant, donc on accueille les enfants de 3-4 ans selon les enfants, jusqu'à 10-11 ans. On a vraiment envie d'avancer vers un collège. Ça nous paraît évident, dans le même style de structure, dans le même cadre. Donc, ouais, d'ici un an ou 2 ans, ça se fera. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc, c'est toi la maîtresse de cette fabuleuse école? Voilà, la maîtresse qui a démarré le projet, en tout cas,
Pour cette première année, on a ouvert en septembre. Et voilà, ça s'étoffe déjà pour l'année prochaine, donc c'est chouette. Et alors du coup, avec un an de recul un peu, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé chouette, enfin voilà, une belle année, très riche, très, très vivante, plein d'interactions avec les élèves évidemment, puisque là on est sur une pédagogie très, très active. Donc il n'y a pas de cours magistraux, de leçons où ils écoutent bêtement ce que je leur propose. C'est toujours voilà, très interactif et puis avec une multitude de supports et puis beaucoup de pratiques, quoi, d'expérimentation. Je me suis beaucoup basée sur la pédagogie de Célestin Freinet, voilà, qui vraiment, lui, son idée c'était de faire entrer la vie dans la classe et que ça devienne une source d'apprentissage. Je me nourris de tout un tas de recherches, d'ouvrages, voilà, donc par exemple j'ai choisi d'appliquer la méthode d'apprentissage de la grammaire qu'a développé Monsieur Steiner. Voilà, parce que je trouve ça passionnant et voilà, je suis allée prendre ça. Donc tu n'appliques pas le programme Alors classique. En fait, pas directement. C'est-à-dire que c'est ma source, c'est mon référentiel, évidemment. Moi, je suis censée les amener en fin de scolarité, de CM2, à ce qu'ils aient couvert le programme de primaire pour qu'ils puissent aller dans un collège public. Donc oui, je me base évidemment sur le programme. Simplement, on a toute liberté pour le retourner dans tous les sens, le prendre à l'envers, au milieu, dans n'importe quel ordre, selon l'enfant, voilà. Donc moi, j'ai pas un objectif par année et par enfant. Ça va se faire un peu au fil du temps. Et puis surtout, il faut bien se dire que, voilà, un enfant, il peut avoir un niveau de CE2 en lecture, mais de CM1 en géométrie, ou voilà. Donc il faut aussi s'adapter et puis faire en sorte que, à la fin du CM2, ils aient tout vu, quoi. Voilà, c'est ça le principe. Quelle est la différence majeure entre cette école et les écoles plus conventionnelles, en fait ? Qu'est-ce qui a fait cette... Pour moi, la première différence, c'est le regard qu'on porte sur l'enfant. C'est pas une tête à remplir. C'est un être en devenir. Donc, c'est vraiment cette première différence, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas de la même manière. On essaye de le voir une fois que l'adulte, il a assuré le cadre de sécurité dans lequel évolue l'enfant. L'enfant est sur un niveau d'horizontalité. La transmission, elle se fait dans les deux sens. Ça, c'est quelque chose qui était essentiel. C'était vraiment notre point de départ. Pour Lina, ça a été différent. Lina, c'était la confrontation avec les autres élèves. Cette forme d'élitisme, en fait, qui est présente dans les écoles classiques. Toujours cette compétition. Je suis le meilleur, j'ai la meilleure note, j'apprends plus vite, je lis plus vite, j'écris plus vite. Et pour elle, ça a été dur parce qu'elle est pas dans, elle a pas cet esprit de compétition, de vouloir toujours être le premier, en fait. Donc ici, elle est, c'est plus souple. Elle s'est vraiment épanouie. Elle arrive à trouver un rythme qui lui correspond. Tout n'est pas minuté, en fait. Donc elle peut prendre le temps aussi de prendre le temps, de s'octroyer le temps d'apprendre à son rythme. Et ça nous convient. Ça nous convient à tous. Mais voilà, et de fait, j'avais envie qu'elle puisse un peu toucher à tout. Et c'est ce qu'on a essayé de leur donner déjà, ne serait-ce que pour cette première année, avec les intervenants qu'ils ont pu avoir au sein de l'école. Et voilà, ce côté touche à tout, je vais apprendre, je suis dans l'apprentissage. Tout est apprentissage, en fait. Hein. Chaque chose que l'on fait chaque jour est un apprentissage. Et tu le constates le soir quand elle rentre Comment est-ce qu'elle parle de sa journée ? Est-ce qu'il y a une différence ? Lina, si elle pouvait rester à l'école toute la journée, elle resterait à l'école toute la journée. Là, c'est les grandes vacances et c'est presque un drame. Elle préférerait être ici. Parce que voilà, elle va interagir avec ses copains, même si on va les voir. Je lui explique qu'on va quand même rester tous en lien pendant ces grandes vacances. Mais elle se sent tellement bien, en fait. Elle a vraiment trouvé son univers qu'elle a envie à chaque vacances. Mais c'est bientôt fini ! Non, mais on est en vacances. Non, c'est l'école. C'est l'école. Et c'est là que je vois que oui, elle a plus peur de s'exprimer, de peur de l'erreur, en fait. C'est pas grave, il y a une erreur, on va la corriger plutôt que de la sanctionner. Voilà, ça c'est une vraie différence. Je le constate avec elle, c'est flagrant. Qu'est-ce que tu penses de cette école ? Je l'aime bien parce qu'on est libre, c'est-à-dire que si je veux faire des maths maintenant, je peux faire des maths même si je vais pas le faire, mais si je veux faire du français, voilà, ou de la géométrie. Je peux le faire aussi. Et puis enfin, je peux faire plein de choses. Voilà, c'est libre. Parce que tu as déjà été dans une autre école ? Dans une école oui, privée. D'accord. Et c'est quoi la différence pour toi ? La différence, c'est qu'en fait, c'est qu'ici, on a beaucoup plus de liberté. On peut, si on choisit de faire comme là, je suis en train de faire des maths ou ce qu'on veut faire, en fait, et ben, on peut le faire.
un peu choisi. Donc là, tu as décidé de faire des maths aujourd'hui? Là, j'ai décidé déjà de me faire un petit cahier de maths pour les vacances. Et les enfants parlent aussi beaucoup de liberté. Ça, c'est le mot juste. Mm-hmm. Liberté. Alors, ceux qui ont connu avant les écoles classiques, parce qu'il y en a plein qui viennent d'écoles classiques avant, c'est sûr que nous, on a retiré les devoirs, on a retiré les cartables, on a retiré les notes. Il n'y a pas tout ça. Par contre, les enfants s'auto-évaluent. On fait tous les trimestres des auto-évaluations dans lesquelles, pour que eux, ils sachent où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont à travailler, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui roule, là où ils ont des difficultés, etc. Donc les enfants, quand ils sortent d'ici, ils ont le même niveau que les autres. Il n'y a pas de problème scolaire. La seule chose, c'est qu'ils ont des aptitudes et une conscience d'eux et de l'environnement qui est autre. Voilà. Et on emploie des pédagogies qui vont dans ce sens-là. Alors, Aurélie nous parlait des méthodes Freinet, mais est-ce qu'il y a d'autres approches pédagogiques que vous utilisez? Alors, en fait, les pédagogies, c'est des outils. Aurélie, qui est notre enseignante pour le moment, là, à la rentrée, on en a deux autres de plus, donc qui va venir créer aussi un corps enseignant qui est chouette, parce qu'il y a besoin d'échanges aussi, d'interchanger et de préparer des choses ensemble. Et donc, elle a été vraiment beaucoup attirée par la pédagogie Freinet, mais elle considère aussi, tout comme nous, les pédagogies comme des outils. Selon les enfants, il y a des enfants à qui il y a besoin d'apporter un cadre clair de départ avec des bonnes limites, et Montessori, il offre beaucoup ça. Si il y a des enfants qui ont vraiment une expression très très artistique des choses et qui ne sont pas du tout prêts à passer au crayon, à passer à du concret, Steiner, il est parfait pour ça. Freinet, pour nous, c'est un peu ce qui lie les deux, quoi. C'est un peu... Et puis, il y a une quatrième pédagogie principale, parce qu'il y en a plein d'autres encore, c'est Bjotsa, quoi. C'est Bjotsa Style, c'est celle qu'on invente avec les enfants, qu'on crée avec les enfants. Et je pense que c'est la meilleure. Pédagogie, elle nous inspire, mais c'est dans le concret. Les pédagogies, ces pédagogies-là, elles ont été faites il y a combien de temps? Il y a 100 ans, il y a 150 ans. Souvent dans des cadres d'enfants à conflit ou des enfants handicapés, en plus. Donc, nous, on a tout à gagner à s'en inspirer, mais à créer quelque chose aussi qui soit cohérent avec avec ce qu'on a actuellement, avec l'informatique, avec toute l'ébullition qu'ont les enfants. Les enfants, ils naissent avec des outils complètement différents que ceux il y a 150 ans, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et justement, tu parles des familles. Est-ce qu'il n'y a pas d'appréhension de la part des parents? Est-ce que sur les rythmes scolaires, sur les méthodes d'apprentissage, ils sont tous très ouverts? Oui, ils sont tous très ouverts, et surtout ils viennent là parce qu'ils n'ont pas été satisfaits de ce qu'on leur a proposé dans l'enseignement public traditionnel. Ils ont vu leurs enfants plutôt malheureux et s'ils viennent chercher autre chose. Donc effectivement, il faut qu'ils fassent un peu confiance à l'équipe d'enseignants, mais on discute beaucoup, voilà, c'est toujours très, comme avec les élèves, interactifs, on décide un peu ensemble. C'est bon, évidemment, nous on porte, mais on se nourrit tous les uns les autres, et donc c'est un projet un peu collectif. Tout le monde sait quand même à peu près où on va. D'accord. Donc on trouve la confiance ensemble. Et le retour des enfants que tu as par rapport à cette année, ils te font des retours sur... Ouais, ils m'en font avec leur sourire déjà tous les jours, d'arriver ici joyeux tous les matins. Et puis toujours une sensation comme ça de confiance, parce qu'ils m'ont suivi, quoi, toute l'année. C'est vrai que cette année, c'est beaucoup moi qui ai quand même proposé un peu pour les apprentissages. Mais en même temps, voilà, comme l'a dit Esteban tout à l'heure, avec une grande liberté laissée pour eux à l'intérieur, dans leur organisation, dans leur rythme, etc. Et je crois que ça, c'est... Il n'y a pas besoin vraiment de retour, je les vois vivre, ils sont bien, ils bougent, ils s'expriment, ils sont motivés pour revenir, et bon, ça me suffit. Merci Aurélie. Avec plaisir. Et donc, tu es présidente de l'association aussi? Oui. Est-ce que tu vois si l'école crée de plus en plus d'intérêt chez les parents? Oui. On vient te voir, on te pose des questions au sujet de l'école? Alors, oui, ça interpelle. Et oui, alors,
mais ils vont être désociabilisés. Non, en fait non, puisque ça reste une école, donc ils vont voir du monde, ils vont voir des intervenants, d'autres adultes que juste un référent. Il y a une ouverture sur le monde, il y a les sorties que l'on fait. Donc voilà, mais c'est bien de susciter des interrogations parce que ça permet aux gens de se mettre à réfléchir, à penser. Et puis après, mais en fait, j'ai un ami au départ qui me disait... non, moi je suis plus. Enfin, non, moi c'est pas possible, moi le classique. Et puis après, il vient me poser des questions. Mais en fait, ils font quoi? Mais ils font ça. Mais ah oui, ah ouais, mais c'est vachement bien. Ah, mais ouais, ah, j'aurais bien aimé. Du coup, voilà, on suscite de l'intérêt. Et pour moi, le deuxième pas flagrant, ça a été les portes ouvertes. Je me suis dit, au reg, bon, on est quand même un peu paumé, faut le dire. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. On n'avait pas ouvert que j'avais déjà 3-4 voitures devant l'école. J'étais waouh, je me suis dit c'est génial. Juste avec les quelques panneaux que l'on avait mis et puis un tout petit peu de bouche à oreille. Et boum, et toute la journée, et toute la journée, et toute la journée. Et ça a été génial. Comment a réagi le village, l'entourage à l'arrivée de cette école différente? Au début, le gros point d'interrogation, la grosse incompréhension. Pourquoi vous voulez faire une école? Il y en a des écoles. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. De se dire pourquoi, enfin, quelle est l'utilité. Quand on commençait à leur parler de pédagogie alternative ou d'autres manières de voir l'enfant, la plupart restaient avec ce gros point d'interrogation de « ouais, mais enfin bon, pff, comme ils ne l'ont pas fait ou comme ce n'était pas dans leur schéma de vie, bon, ben voilà, ils ne comprenaient pas. » Moi, je dirais l'ambiance générale a été bienveillante. Bienveillante dans le sens, ben voilà, il y a des jeunes du quartier, des jeunes du village qui ont envie de faire ça et... on va leur laisser la possibilité. Après, on verra. Et quand on leur repose la question, rien qu'un an après, tout le monde dit « Oh, mais ça roule, continuez, allez-y, il n'y a pas de souci. » Enfin, voilà. Donc, ils se sont rendus compte que ça gênait personne, qu'au contraire, ça réapportait une certaine vie. Et puis que, ouais, c'est... Non, qu'il n'y avait pas de... Il n'y a aucun souci. Au début, ça a été, voilà, accueilli comme le gros point d'interrogation. Surtout de se dire quel est le besoin, quelle est la nécessité, pourquoi. Parce que c'était des questions sûrement... que la plupart ne s'étaient pas posées de la manière de la relation avec l'enfant et du lien avec une structure dans laquelle il passe 7 ou 8 heures par jour pendant combien d'années. Après, je dirais qu'il y a quand même une certaine mouvance dans les écoles alternatives, donc ça est en train de germer de partout. Les parents reprennent en main ce droit de se dire « là, il y a un truc qui ne va pas » ou « on n'est plus en phase ». Voilà. Donc il y a déjà certains publics qui déjà qu'à l'oreille, qui a quelque chose qui est là. Et puis il y en a d'autres qui nous regardent toujours avec un œil comme ça. Puis il y en a d'autres ici, ça fonctionne beaucoup bouche à oreille. Donc il ne s'est rien passé de spécial, ils ont embêté personne, tout s'est bien passé. On voit qu'ils sont bienveillants, on voit qu'il n'y a pas de débordement, qu'ils sont réglo, qu'ils respectent, que l'éducation nationale est en accord. Les gens ils s'en arrêtent là quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Ouais. Alors, une des craintes principales, des questions qui reviennent souvent, j'ai remarqué, sur l'éducation alternative, c'est le moment où les enfants doivent revenir dans un système plus conventionnel. Alors, est-ce que vous avez anticipé cette question ? Alors, moi, la première réponse que je fais, parce que c'est ce que je ressens du plus profond de mon cœur, je dis même l'enfant qui doit réintégrer un collège à 11 ans, classique, c'est déjà ça de pris. On sait qu'à 11 ans, jusqu'à 10-11 ans, c'est toute la construction émotionnelle de l'enfant. C'est tout son bagage pour toute sa vie. C'est toutes ces infrastructures qui vont se faire à l'intérieur de son cerveau, de son corps, qui vont être créées. L'estime de soi, c'est là qu'on la crée. C'est difficile à la rattraper après, quand on est adulte. Donc, peu importe ce qui se passe après, c'est déjà ça de pris. Cette bienveillance, cette entraide, ce partage, cette communication, tout ce qu'on met en place autour, c'est ça de pris. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième, c'est de se dire, il y aura une transition, mais les enfants, ils partent avec des sacrés outils. Ils partent avec des outils, ils savent apprendre à apprendre, ils savent s'organiser donc seuls, ils savent réfléchir sur des concepts, ils savent intervenir et voir une globalité un peu plus grande des choses. Donc,
finalement, mis dans une classe, ça va être des enfants curieux, ça va être des enfants qui vont vraiment aller de l'avant. Par contre, qui vont savoir aussi quels sont leurs besoins, ou quand c'est injuste, ou quand ça leur paraît pas bien, ou quand voilà. Donc, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place dans cette cohérence. Dans le cas où les parents font le choix de mettre leur enfant dans un collège classique, ben, on prévoit une année de réadaptation en accord avec les parents. Réadaptation, ça veut dire voilà, de préparation de l'enfant à la structure qui va le prendre en charge après. Mais il n'y a pas... Le décalage, en fait, c'est juste le décalage de l'espace de conscience et de liberté dans lequel ils sont. Mais quand ils ont compris qu'elle est à l'intérieur d'eux, en fait, peu importe que le cadre il soit restreint à l'extérieur, si toi tu l'as à l'intérieur, c'est comme ça qu'on le voit. Et la troisième option, bien sûr, c'est celle vers laquelle on va à grands, grands pas, c'est l'ouverture d'un collège alternatif. Voilà, donc ça, voilà. Ouais. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Just happy to accommodate on a first date.